c'est le circe commun, Circium vulgare. Bah, c'est un des chardons, entre guillemets, hein, les plus communs avec le circe des champs. Il va être assez velu, hein, et la plupart du temps, on trouve au moins quelques feuilles qui vont avoir cette structure-là, avec des lobes perpendiculaires avec la nervure centrale. Bien sûr, les chardons, ça pique. Donc voilà, au bout des feuilles, il va y avoir des pics bien durs qui font aïe. Les chardons, entre guillemets, hein, ce grand groupe, appartient à la famille des astéracées. Donc en cette saison, on peut éventuellement manger les feuilles, mais aussi ces racines qui sont assez grosses, hein, voilà, des bonnes racines, assez douces au goût, hein, un petit goût qui rappelle l'artichaut. Pareil pour les feuilles, il faut les cuire et ensuite les mixer, par exemple pour faire un velouté, une bonne soupe. Et pour les racines, pas de problème, ça pique pas, hein, donc vous pouvez les faire comme vous voulez, à la poêle, même cru, ou en soupe, ou rôti au four, voilà.